on a fait ce style de caméra surtout pour dire aux gens, pour les prévenir, tu vois. Si demain, moi, je suis pas au courant d'un truc ou d'une magouille et que d'un coup, il y a un mec qui fait une vidéo dessus et que je suis au courant, ça m'évitera à moi de me faire... Toi, c'est un tuto anti-bêtise humaine, quoi. C'est ça, voilà. Oh, Frangin! Ouais. Tu te sens pas de faire la pub pour Boy prendre ma place? Je suis fatigué là. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Dis-le, je connais. Ben, tiens, juste à dire ce que je dis moi au début de mes vidéos. Viens, je te laisse la place, viens. Bah, abonnez-vous à Boy Pro. Si vous voulez jouer sur des paris de football ou autre. Et le snap, il s'affiche quelque part sur la vidéo, là. Abonnez-vous à Boy Pro, s'il vous plaît. C'est le dernier jour où je suis ici, c'est le dernier jour après le dernier. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à Boy Pro qu'on en finisse. Mais voilà, tu vois quand tu veux, c'est bien, là. Merci. Je viens de me réveiller parce que j'ai entendu un bruit dans mon jardin. Ça va, je te dérange pas? Non, je suis venu aider une amie parce qu'elle est enfermée chez elle, je crois qu'elle a fait un malaise. Tu es venu aider une amie? Tu me prends pour un con quoi, vas-y descends. Avoue, sinon j'appelle les flics, sinon tu vas rester avec moi, je te le dis moi. Je suis à côté du mec qui a voulu me cambrioler, hein? On va dire ça comme ça. Je vais le garder pendant une semaine. Oh! Maman! Voilà, impeccable, frérot. Tu es magnifique. Allez mon ami. Bon les gars, c'est le cinquième jour, c'est bientôt fini avec lui, je viens de me réveiller là. Je vais aller le réveiller à lui. Mais je vais aller le réveiller d'une façon explosive. Vous allez comprendre. Vous allez rigoler, je pense. Vous allez aimer ça. Allez. Ciao, ciao. Bon, allez. On va mettre le pétard. On va ouvrir la porte. Attends. Allez, on va y mettre les pétards. Ça va être un réveil explosif. Casserole par terre. C'est parti. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit pour l'avant-dernier jour. Faut un départ explosif quand même. T'es malade. Ah, tu es fou. Pourquoi je suis malade? Tu es fou, furieux. Pourquoi tu me réveilles comme ça, mec? Pourquoi tu me réveilles comme ça? J'ai cru qu'on me tirait dessus. Ah, j'ai mis les pétards dessus. Une casserole, ça y est, je ne connais pas. C'est rigolo, tu es fusillade. C'est pas parce qu'on est à Marseille que ça y est. Et non, je suis pas un fou. Reste tranquille par contre, arrête de jeter les trucs. On fait comme je tremble. Tu as eu peur, hein? Eh ouais, je vois. Ah, tu es malade. Et non, je suis pas un malade. Allez, calme-toi. Tranquille, allez. Ça va, c'est des pétards. C'est bon, c'est pas fou du monde. Calme-toi, ça va. Calme-toi. Putain, vivement, c'est bientôt fini. Ah bah demain, c'est fini. S'il te plaît, allez. Va. C'est l'avant-dernier jour, frérot. C'est bon, je suis réveillé, de toute façon. Allez, on va à la douche. Allez. Va, poteau, tu t'es remis de tes émotions? Ouais, ça va, j'ai encore le gars qui m'a fort. Bah tiens, le sac, tu connais. Hein? Elle est à bonne température, l'eau, c'est bon? Ouais. Bon, ça va.
Allez, à tout à l'heure, je te laisse te laver très... Tranquille, excuse-moi pour les pétards, hein, je suis désolé. Hein. Je vais jouer. Je vais aller lui couper l'eau chaude, direct. Et on va lui couper l'eau chaude, cache. Voilà les amis, le chauffe-eau il est là. Oh putain, attendez. Voilà. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est froid. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ouvre-nous cette belle porte, fais voir en quoi tu es déguisé aujourd'hui. Voilà, en bonne sœur. Tu es réveillé en bonne sœur, frérot, tu es magnifique. Tu es magnifique, frérot. Mis à part le fait que je sois habillé ouais. En sœur. Ouais, oui. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec des rouleurs qui datent de l'Empire? Tu m'expliques? Explique-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je sais pas faire du rouleur, je t'arrête tout de suite. Ça sert à rien de me dire je sais pas quoi, du roller, pas du roller, je sais pas. Tu préfères faire du roller ou appeler la police? Non, je préfère faire du roller plutôt que, si tu appelles la police, je suis d'accord, mais je ne sais pas en faire. Bah tu vas apprendre. Je sais pas où on va en faire, ni comment on va en faire, mais je ne sais pas en faire. Tu as frotté la maison en roller. Ah, donc tu veux me faire frotter. C'est ça, exactement. Ta maison, tu veux me faire frotter, passer la serpillière avec des rollers, c'est ça? D'accord. Mais je peux pas. Je te l'ai dit clairement, je peux pas. C'est plus possible. Eh ben si, c'est possible. Je peux pas, je sais pas faire de roller. Je sais tout juste marcher, tu me demandes de faire du roller. Je sais pas. Arrête de t'énerver, arrête, désolé. Voilà, alors comment on fait? Je vais t'apprendre à faire du roller. Allez, apprends-moi. Ouais, je vais t'apprendre, t'inquiète. Allez, je te suis. C'est parti, apprends-moi à faire du roller, mec. Puis le seau d'eau. On va mettre la serpillière. Le produit. Et on en boit. On va le faire frotter. Allez, envoie les mains. Hein? Tu vas faire un peu de. De frotta, frotta. Allez, vas-y. Et sors bien. En roller. Je rappelle qu'il a des rollers aux pieds et qu'il sait pas me faire. Hein? Arrête quoi? Tu es magnifique comme ça. C'est bien le clochard, mon pote. C'est toi qui viens me voler chez les gens, c'est moi le clochard. Et vas-y, frotte. Frotte, frotte. Regarde-le, regarde-le. Vas-y, arrête. Avec ta serpillère, elle est sale, tu me la mets sur le visage, arrête, connerie. À la fin de la journée, tu sauras faire du roller et le grand écart. Ah bon, ça fait combien de temps que tu le laves pas, le soir? Il est noir. Elle est noire. À ce rythme-là, on y est encore demain, je te le dis. Tu le passes pas chez toi, la serpillère, c'est pas possible. Chez moi, je le passe. Putain, ouais. Chez moi, je passe la serpillère. Regarde là, le grand écart. Ça glisse, c'est comme moi. Que tu as terminé. On va arrêter là, sinon tu vas te casser. C'est la bouche, tu vas tout bien regarder. Mais comme tu es, comme il est comme moi. C'est dangereux, frère. Allez, vas-y. Monte, je te donne les habits, allez. C'est parti. Tu es content? Je t'ai lavé le sol. J'ai fait du roller. C'est bon. Tout le monde a rigolé. Tout le monde qui regarde la vidéo, vous avez rigolé. Oh, tiens tes habits, mon pote. Merci, c'est bon. Tu m'as compris.
Ah, je t'ai gonflé en plus. Allez, s'il te plaît, arrête de me filmer, on s'en va. Mais enfin, aujourd'hui, pas d'humeur. Bon, les gars, je viens de me réveiller. Je vais dans les toilettes pour pas qu'ils m'entendent. Je pense, j'ai bien réfléchi, j'ai dormi, j'ai bien la nuit porte conseil, comme on dit. Et j'ai réfléchi, je me suis dit qu'on y avait fait assez de choses et qu'aujourd'hui, ben, ça serait le dernier jour. Pourquoi? Tout simplement parce que ben, on y a fait faire l'aspirateur, on y a fait faire la serpillière en roller, on y a fait laver les vitres, on y a fait nettoyer la voiture. Je pense qu'à un moment donné, en plus, je crois qu'il a vraiment compris parce que depuis quelques jours, je laisse la porte ouverte. La porte là, elle est actuellement ouverte, il n'a pas tenté de faire quoi que ce soit, il n'a pas tenté de s'échapper, ça veut dire qu'il joue le jeu jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va lui faire la surprise et on va lui dire de rentrer chez lui, je vais lui rendre ses affaires. Parce que même moi, j'ai autre chose à faire et lui, je pense aussi, voilà. Mais bon, c'est... gardez à l'esprit qu'on lui a quand même fait un cadeau en le gardant ici et en appelant pas les flics. Donc voilà, là, je vais le réveiller et je vais l'accompagner jusqu'à dehors pour qu'il puisse rentrer chez lui, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va lui annoncer la nouvelle. Oh putain, mais comme il dort encore. Oh, réveille-toi, gros. Réveille-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, réveille-toi. Ouais. C'est ton dernier jour aujourd'hui, mec. Oh, c'est gentil, ça. Ouais, c'est plus que gentil, même. C'est ton dernier jour, c'est bon. D'accord. Tu peux partir. T'es sûr? Certain. Sinon, je peux rester, moi. Non, c'est bon, t'inquiète. J'ai plus rien à faire, de toute façon. Tu le fais à moitié en plus. Donc, ça sert à rien. D'accord. C'est pas une blague, c'est vrai. Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. C'est sérieux, t'inquiète pas. Ok. Voilà, là, je vais te rendre tes habits. C'est une bonne nouvelle, tu vois. Ah oui, ouais. Ah oui, pour toi, la journée, elle commence bien. Donc, je vais te rendre tes habits. Tu vas les prendre et tu vas partir, hein. Ouais, bah écoute, ça va. Y'a pas de soucis. Voilà, mon pote. Vous me mettez tranquille, j'ai des habits, je te les rends parce que c'est ouais, chien. Exactement. Et ça va. Voilà, allez, ben, je vais te récupérer tes habits, mec. J'espère que tu es content. Ok, c'est bon, allez, ben, écoute. À moi mes habits, c'est bon. Comme ça je me casse. Impeccable. Bon, ben, écoutez, merci Kamov. Merci de m'avoir hébergé, parce qu'au final, ben, tu m'as quand même hébergé, tu m'as quand même appelé la police, malgré que j'ai voulu te cambrioler, donc je te remercie. Gros big up à toute la communauté Kamov. Et voilà, de toute façon, ben, tiens mon numéro et si quelqu'un m'appelle pour passer un contact. J'ai tous tes contacts, j'ai ton téléphone. Et fais attention, non, toi, j'espère que tu ne le prends pas. J'espère que tu le prends pas mal. Non, t'inquiète, je le prends pas mal. C'est comme ça, après voilà, je l'ai mérité. Ah oui. Je mérite même le pire. Ah oui, oui. Donc, on va pas le prendre mal. J'ai bien rigolé, ça m'a fait un peu chier. Mais au moins, je vais rentrer chez moi et puis au moins, je recommencerai. Voilà. Ça me servira de leçon. Tiens, poteau. Ah, le masque. Bah, merci. Pour te protéger. Bah, parce que. Même si c'est pas le coronavirus, tu peux l'attraper. Donc. Voilà, mets-toi le masque. Tranquille. Bah, merci, comment? Au moins, tu risques rien. De rien, frère. Tape. Allez. Ciao, poteau. Ciao. A bientôt. A bientôt. Tu as quelque chose à dire pour les. Les gens qui nous regardent, vous ne vous amusez pas à cambrioler parce qu'il n'y a pas tout le monde comme Kamov. Ah oui, ça c'est là qui appelleront les flics ou même qui risquent de vous tirer dessus s'ils sont armés chez eux. Voilà. Je rentre vite, il pleut pour toi. Allez, vas-y. T'as mon numéro, je te le dis pas. Allez, on s'appelle. Plus, merci. Ah, merci à toi, mec. Incroyable. Finalement, c'est devenu presque un ami. Presque. Ah, pourquoi tu fais des doigts? Tu veux que je vienne? Oh. Ah, ça va, ouais, rigole, ouais. Ciao, mec.